Salut, c'est ton chat Ming, j'espère que tu vas passer bonne journée, j'espère que tu vas bien. Oui, un petit thumbnail à la Louis Vignac. C'est une autre vidéo en français, en francophone, dans la bonne franquette québécoise. C'est une vidéo qui est justement. Tiens, c'est sur le français. Tu parles de bananon, toi? Pourquoi je parle de français? Ok, c'est quand même une histoire assez drôle. Il y a un an, je me fais la promesse de faire plus de contenu en français. J'échoue. À la fin, genre. Je me fais une promesse de parler plus en français. J'échoue. Juillet, le mois passé. Mais techniquement, il y a 2 mois, parce que là, on est en septembre. On est 31 aujourd'hui. En juillet, je me fais une petite communauté en français. C'est pas prévu. Je fais une communauté en français. J'ai 7-8 personnes qui viennent tous les jours dans mes lives, qui sont francophones. Fait que je leur parle. Puis je me rends compte que des filles qui sont là, oui, c'est des filles, ils sont très gentilles. Ils sont des grandes fans d'Attack on Titan, qui est aussi quelque chose que j'adore. Ce qui me fait faire des revues de français d'Attack on Titan. Puis là, je sais pas pourquoi, je pense à faire des vidéos en français. Les commentaires que j'ai commencé à avoir sur mes vidéos, c'est des commentaires en français. Fait que quand je réponds, mais je réponds en français. Puis je me rends compte de la plus grosse erreur que j'ai faite. La plus grosse erreur que j'ai faite, c'est vouloir faire du contenu en français. Je sais que tu dis que t'es malade trop de cul, toi. Non. Vouloir faire du contenu en français, c'est quasiment me forcer à faire du contenu en français. Quand je fais une vidéo, quand je te parle présentement, on est moi pour toi là. T'as peut-être des amis autour de toi là, c'est pas grave. Sinon, je parle avec toi seulement. On parle français, right? Est-ce que c'est parce que je veux qu'on parle français ou est-ce qu'on veut juste parler français? Si moi je veux parler français, c'est pas authentique. Le fait que ça me tente, vouloir et. Le devoir, c'est vouloir et devoir. Me forcer, me pousser à faire des vidéos en français, c'est de dire je dois faire des vidéos en français. Faire une vidéo comme ça, je veux faire une vidéo en français. L'émotion est différente, puis dernièrement, je fais plus de vidéos en français. Je suis pas en train de te dire que je vais avoir 55 ans, je suis pas en train de te dire que je vais faire du contenu X, Y, Z en français, A, B, C en anglais. Mais je suis en train de te dire que de plus en plus, on me voit parler en français. Il y aura toujours cette partie de moi qui était anglophone. Je suis né à Montréal, je suis francophone. Mais j'ai fait 3 ans de vidéos en anglais. J'ai fait 25 000 vidéos en anglais. Ouais, même sur le gaming, c'est en anglais. Fait que sur ce, je te promets du contenu, plus de contenu en français. Parce que je dois, parce que je suis québécois, parce que j'ai un sentiment d'appartenance à la langue québécoise. Parce que j'ai grandi en français, pas parce que j'ai été élevé en français. C'est la raison que j'ai utilisé en juin. Parce que j'ai une communauté en français, puis ça me permet de le faire plaisir. Tu comprends? C'est différent, là. C'est différent. Le contenu est le même si je le fais en anglais, là. C'est les personnes à qui je fais plaisir qui changent. C'est ça, mes amis. C'est ça qui est important. En tout cas, moi, je vous laisse. Je vous prends une petite gorgée en face de Rockstar. Pas un sponsor, mais qui sait. Une chose.